Salut, bienvenue dans Escalade en Arlande, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, Lou Ferrigno sans peinture verte. Un ours qui réclame des calinous. Et Hercule, celui qui rit quand on l'entend. Allez, c'est parti! En dehors de sa carrière à la télévision, dans la série L'Incroyable Hulk, Lou Ferrigno a connu une période où il jouait les premiers rôles au cinéma. Pas de bol, c'est pas en tournant avec des techniciens sous-qualifiés et pas motivés qu'on devient une star. Et j'en sais quelque chose. Allez, mec. Ah, c'est bon, ça va, on peut déconner. Ah, c'était pas le premier choix non plus hein, qu'on a fait l'émission, quoi. Quand les célèbres studios Canon produisent l'adaptation de l'histoire d'Hercule au cinéma, forcément ils nous offrent un classique du 7e art, ou presque. Un héros mythique, énorme comédien, Hercule est interprété par Lou Ferrigno, une montagne de muscles certes, mais surtout un grand acteur dramatique. Pourquoi suis-je plus fort que tout le monde? Et pourquoi ma force surhumaine ne m'apporte que désespoir et chagrin? Oui, car Hercule à la base, il embête personne. Son truc, c'est de labourer des champs attelés à de grosses pierres. Mais comme on est dans un film tourné en Italie dans les années 80, forcément des dieux habillés en latex complotent contre lui. Voici ma solution concernant Hercule. Et envoient des monstres redoutables pour le tuer. Ça nous donnera droit à des combats ahurissants en stop motion, car Hercule c'est plus qu'un péplum, c'est aussi un peu un film de SF, heroic fantasy. Du coup le film est parsemé d'effets spéciaux un peu foireux, comme cette main de Zeus qui récupère une barque. Cette splendide esquive de char. Bon, sinon le film prend quelques libertés avec le mythe et les 12 travaux sont carrément oubliés. Par contre, on apprend qu'Hercule il a pas mal bourlingué avec une sorcière en monokini qui l'a emmené dans des endroits peu recommandables. Regarde, voilà l'escalier sans fin qui devra nous mener jusqu'au cœur de la Terre. Le pire, c'est qu'à la fin de l'escalier sans fin, ben, il y avait des trucs encore plus incroyables. Là, au sein de la montagne du crâne, où se trouve le temple de l'éternité. Dans la montagne du crâne, il y a le centre de l'enfer. C'est là qu'ils ont mis le talisman que tu es chargé de reprendre pour moi. Hercule, c'est un film de Luigi Cozzi, aussi connu pour avoir réalisé Star Crash, un space opéra qu'on adore. Et ici, il mélange toutes ses influences pour un résultat assez jouissif. Hercule tatane des soldats, comme dans tous les péplums. Hercule sépare les continents, comme Neptune dans Jason et les Argonautes. Hercule se bat avec un sabre laser comme dans Star Wars. Et Hercule se brûle les poils de bras comme dans... Courage Hercule, voici l'attaque du froid. Après la chaleur de l'âme, c'est le tour du froid suprême. L'ultime barrière. C'est grâce à ce brassage d'influence complètement barré que le film se savoure avec le plus grand plaisir. Mais s'il ne devait rester qu'une scène, ce serait ce superbe jeté de parpaing dans l'espace quand le nanar devient poétique. Le problème d'Hercule, c'est qu'il sait pas gérer ses émotions. Un peu comme certains. Une simple contrariété de rien du tout, comme la mort de son père, il peut pas s'empêcher de faire des caisses. La preuve, avec l'extrait en plus. Non mais les gars, je les connais. Mais il faut quand même reconnaître que parfois, vous êtes pas au taquet. Hercule, il adore balancer des trucs dans la stratosphère. Alors quand il rouste un ours, et qu'il découvre en plus que l'animal a tué son père, et bien forcément... Au passage, vous vous êtes toujours demandé comment était née la grande ours? Vous avez la réponse. On peut reprocher beaucoup de choses à Bernard Minet, comme sa carrière de chanteur de dessin animé, sa taille, ou le fait qu'il met du fromage dans le gratin dauphinois. Mais lui, au moins, eh ben, il chantait juste. Chapeau à l'artiste. J'ai une
histoire à vous raconter. Alors écoutez bien. Hercule, c'est aussi un dessin animé. Bien sûr, il y a le Walt Disney. Mais nous, on préfère cette version et sa splendide bande originale. Bon, le chanteur a peut-être un peu de mal sur le refrain, mais au moins, il y met du sien. Hercule était bien plus fort. Plus fort de la vie et la mort. Son héroïsme et ses actions lui conféraient sa réputation. Oui, les gars, je m'excuse. Vous savez sublimer ma médiocrité et sans vous, j'avoue, je ne serais pas grand-chose. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, Hercule, c'est un petit peu de la mythologie miteuse. Je songeais aux étables de Cybèle, où sont gardés les 1000 chevaux de la déesse. Que l'ours n'a pas attendu Jean-Jacques Hano pour devenir une étoile. Je me demande combien de constellations se seront formées avant que l'on puisse maîtriser Hercule. Et qu'heureusement que dans les 12 travaux, il n'y avait pas Coral. Il était toujours gagnant, c'était pas un gringalet. On se quitte avec l'extrait en trop et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. Surtout quand on tourne avec une belle bande.